Le savez-vous, le saviez-vous peut-être pas, c'est pas. Sur Twitter, apparemment, ils sont en train de travailler sur un éventuel bouton j'aime pas. Ouais, il l'avait, ouais. Bon, bah voilà, bah, fin de la news, si vous le savez. Et ça, c'est pour recharger la Tesla en bas, okay, dans le parking. Eh bah, super. Elle était cool, bien, cette séquence. Honnêtement, nouvelle chronique, qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Tiens, en vrai. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Tu vas être déçu, moi, il y a des mouchoirs. Vous êtes vraiment à la dèche de contenu. Mon téléphone, là, quoi. Mon badge et un space-fond. Et j'ai un badge. Qu'est-ce qu'il y a dans ses poches? Rien, j'ai mon badge et mon téléphone. C'est tout? Ouais. Mes cartes de crédit sont chez moi. De toute façon, il a pas le droit, hein, ça, je te dis, sa femme. Si, j'ai le droit, une fois par semaine, je t'ai dit. Ah ouais. Incroyable. Ça va, merde. Ça va. Bah, gros, attendez, pourquoi il nous demande tout le temps des pièces? Y a pas de... Et il est richissime. Sa femme est richissime. Non, arrête un peu. T'as intérêt à aller vite, je te le dis. Franchement, je préfère finir 23e et lui 24e que qu'il soit premier. Je préfère vous le dire, ça va se lasser. Oh non, désolé Time Lord. Je suis vraiment désolé. Allez, ça dégage. Mais nous avons la chance, l'honneur, le privilège d'avoir... Non. Zoussard autour de la table. Non, tu vas pas me b**er comme ça. Déjà, tu me préviens pendant ce sport. En plus, je viens, il y a personne à côté de moi. Bah oui, elle arrive. Première date, elle est en retard, elle marque pas des points. Allez là, tu commandes à boire en attendant que t'arrives. Voilà, à la base, c'est juste ça qui a rendu fou TikTok. Pourquoi pas ne pas la montrer à vos grands-parents asiatiques, hein. C'est quand même la base dedans. Clairement, même les grands-parents, même votre papy chinois adore regarder des heures de TikTok. J'ai l'impression que je viens de voir l'avenir de Ken Bogard dans 30 ans. Nous avons une nouvelle blonde de service. Oui. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien. J'ai dit aux gens que je faisais une Britney, ils y ont cru. J'avais envie de... Tu serais capable de le faire, ça, un jour? Oui, bah je l'ai déjà fait. Chauve? Pas chauve, chauve. Ça arrive mais à des gens bien, calme-toi. Attends, je suis pas venu là pour me faire insulter. Oh. J'ai déjà fait très très court et ça repousse vite, donc au final... Ça dépend, ans, pour qui ouais. C'est ce que j'allais dire. We rode my arm, my cobra, we make up a trusty. Ah, le truc avec son truc de boomer, là. Est-ce que quelqu'un sur le plateau est capable de me la chanter? Bah moi, du coup, je vais essayer de la tenter. Ah oui, tu l'as fait en direct. Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poutons. Le refrain, c'est comment? Le soleil se lève et je ne dormais pas. Oui. Les yeux dans les pierres précieuses. Bah, qu'est-ce qu'un gamos? Un quoi? Un gamos. Une voiture. Je savais qu'il allait l'avoir, tu vois, je l'avais dit qu'il était pour toi. Ça se dit où ça? C'est urbain. Je ne l'ai pas volé. Ça se dit dans la streetzer. Pourquoi t'as dit que c'est moi qui allais le trouver? Je sais pas, mais je sentais que c'était un mot que t'aurais pu avoir. C'est vrai? Tant qu'est-ce que c'est que c'est cliché? Bon, alors. Impossible que ce truc-là. Il le tient, il le met dans l'eau. Et tout. Oh non! Oh, il cherche! Cet animal est si con et intelligent en même temps. Il a parlé de Julien Beats. Incroyable, il nous fait rire. Et Rizzo, tout à l'heure, il m'a montré un petit montage. Si Julien Beats écoutait et réagissait à un son de Doigt Beats. C'est bourré d'autotune, donc c'est éclaté au sol. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin. Est-ce que je peux tenter? Oui, s'il te plaît. Parce que là, je t'avoue... Tu veux un chewing-gum ou pas? Oui, t'attendais que ça. Non, arrête, c'est pas pour faire rigoler tout le monde. T'as cru que j'étais une bouffonne. Allez, vas-y, par contre, si tu tiens vraiment à le faire. Vas-y, moi je le fais. Vas-y. Ah oui, vas-y. Je t'en prie, prends mon chewing-gum, c'est à la pomme. Ah oh. Quel tennisman espagnol est le Rafael Nadal. Ouais. Quel groupe de musique espagnole de pop et de flamenco composé de 4 sœurs et célèbre pour son tube Acéléré La Sketchup. Let's go. Quel peintre espagnol, figure du mouvement cubiste. Yes. Quelle actrice a été la première actrice espagnole à remporter un Oscar pour son rôle dans Vicky Cristina Barcelona? Vas-y, la prochaine. Ouais, dommage. Oh, ah voilà, c'est renversé sur le tapis. Quoi, il te reste du coup ta spécialité. La tête dans les étoiles. Max, sur quelle planète vivons-nous? Non, t'es sérieux? En tout cas, les amis, 9h06, dans quelques instants, Alex Nassar, le patron, le président, le directeur, c'est avec nous. Tu veux ta musique? Il est arrivé sur le stream, Alex Nassar. Au début, c'était la trim, diriger une bande de bâtards. Ouais. On va arrêter, les gars, c'est gênant. Allez.
Et voilà. Et voilà. La principessa, buonasera. Buonasera, la principessa. La peperoni, Maxilda. Michel Leb sur ce plateau dans 5 minutes, restez avec nous. Oh, je suis italien, merde, j'ai des racines. Mais moi aussi, non. Ma grand-mère est italienne. Ouais. Elle s'appelle Nunzia. Eh bien, on le garde dans un coin de notre tête. Je vois dans le chat passer les pires cadeaux, mais effectivement, évidemment, les sweatshirts moches, la vaisselle. La vaisselle. Ça dépend. Écoute, si t'as un beau mug, je veux dire, bon, voilà. Tu prends le pire exemple possible, mais. Bah, ça, je peux te dire, je le revends plus cher qu'une 3080. Fallout, c'était vachement bien. Fallout, j'avais joué au tout début du jeu parce que moi, je venais de Rappels. Genre, les 3 premières semaines, j'étais dans la top guild du serveur. Et en gros, il fallait level up, il fallait prendre 10 levels par jour, sinon tu te faisais kick. Ouais, tu faisais kick. Moi, des entretiens vocaux pour entrer dans la guild. Non, c'était juste que moi, je venais de Rappels et du coup, les gens me connaissaient et tout. Oh, même que dès que t'arrivais dans une zone, tout le monde s'écartait parce qu'il disait « Oh putain, c'est Xari qui arrive. » Avec Xari, je l'imagine tel le vagabond dans le Seigneur des Anneaux avec une capuche et qui passe dans une ruelle. Il se bat dans étranger. La main. Les mecs commençaient les mobs pour lui et le laissaient finir. Ils étaient en mode « Prends !» C'est l'invité du matin. Nasa, si tu savais, le stream où on te met. Vous êtes directeur depuis combien de temps? Quelle quantité d'émissions de CO2 évitons-nous chaque année grâce au nucléaire? Quelle en quantité milliards de tonnes. La belle vôtre là, cache-moi ça par pitié. Oh quelle quantité, oh non, enferme-moi ça. Moi je copie-colle ce que Max a mis. Sildan. Alors, j'ai tapé ça en regardant les informations, je me suis pas fait chier sur l'orthographe, c'est des trucs que je vais lire. Putain, je vais pas me faire chier à lire quand même. Bah t'es payé pour donc. Le chômage est du rock bientôt. D'ailleurs, si tu cherches du taf, tu peux aller chez Orano, tu vois. Et recrute. Et genre à partir de 25 ans, là ça y est, mon corps était en mode bon, tu fais plus de sport, tu fais plus rien. Et de 66, là je suis à 84. Mais ouais. Bon. Je suis rentré en France, from 49 kilos, tout 77. 49 tu faisais ouais, bah gros, moi on m'appelait Jafar hein, dans le milieu, c'est une catastrophe. Alors maintenant, on a un peu de. Alors en fait on fait quoi? Moi je suis stock, en vrai je suis devenu stock de ouf. Par contre en vrai j'aimerais pas me mettre une patate quoi. Pourquoi tout le monde caresse Max dans le chat? Pourquoi quoi? Bah il y a le pet the Max si mais je sais pas pourquoi. Apparemment de quoi dans le chat. Le pet the Max, tu sais pas ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi ça? Bon toutou Max. C'est incroyable. Bon toutou. Bon chien Max. Qu'est-ce que t'en penses de Saint-Just? Tu sais c'est de la merde. Non ça il faut arrêter ça mon vieux. Il y a quelque chose à dire. Ouf, mal. Il l'a fait. Citez-moi, attention, c'est casse-gueule comme question. Oula, citez-moi oui. Quelqu'un dont vous pensez qu'il est particulièrement sale. Ah, attends, sans se griller, gros. Je ne répondrai pas. Sans se griller, il y a des contacts qui vont être supprimés ce soir. Hein, parce que moi, j'ai des noms. J'ai des noms, mais est-ce que je le dis? Bon. Ah, je suis en train de pleurer. Ouais, bon, mauvaise question. Oh. Miaouss et James qui font une vanne en mode ils sont déguisés en parrain, enfin on peut lui régler son compte, comme ça j'étais mort de rire. Donc voilà, je regarde ça avec ma fille et bah c'est pur kiff. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, la team Rocket. Oh là. Oh là, oh là. Ça c'est la team Rocket là. Team Rocket mais Q-U-E de T-E là. C'est le TikTok le plus liké de la plateforme. C'est Bella Porsche. C'est Bella Porsche, c'est ça. Mais c'est elle qui chante ou pas? Non, ce n'est pas elle qui chante. D'accord. C'est un lip sync. Mais pourquoi? 40 millions de likes. Oui. C'est le TikTok le plus liké. Alors que moi, le s'il vous poulet et tout. Putain. J-Pig, je me fais chier. Gigi qui ne prendra pas ce deuxième boost. Alors, je vais vous montrer le cas. Si j'y arrive bien, normalement. Ouais. Là, si tu passes au milieu, tu gagnes du temps. Attends, mais il va faire top 1 là. Je pensais que tu voulais te faire booster, mais c'est vrai. Finish, ah, peut-être mais... le top 1, mais t'as vu. C'est top 1. Situation de top 1 pour le joueur algérien. Le con. Ça, c'est un point en plus pour la Gige. On va parler très rapidement de Norman Genius, expert en art martial. Regardez. Oh, putain. Oh, il est chaud au bouillage. Regarde la fin. Oh. Oh. Il faut le petit de chaussure, il se met pas de la crème sur la gueule. Ah. Ça va être mon casse-croûte aussi, full aspi. Comment je vais bien pouvoir faire mon affaire tout en l'explosant sans que moi ça me porte préjudice? Je pense que c'est là. Oh, je suis désolé. Oh,
Non mais je voulais pas non plus le tuer, mec, je voulais pas le tuer. Tu vois. Les Goonies, ah bah ouais. Il y a plusieurs éditions. Oh là là là. Ah non mais ils remontent leur slip le plus haut possible. Je sais, j'ai vu, non mais c'est... C'est n'importe quoi. Si Norman et Maxime Chao sont coincés dans un immeuble en feu, tu peux sauver qu'une seule personne des deux. Quand même là, frérot. Est-ce que tu sauves Maxime, père de famille de deux enfants, ou Norman? Bah Norman quoi, tu connais. En vrai, juste pour faire chier Norman, je vais dire Maxime, tu vois. Mais... Est-ce que tu penses que c'est possible que Norman un jour gagne une compète Fortnite à la manette? Bah si tout le monde se fait déconnecter de la game, pourquoi pas, mais...